Les hauts fonctionnaires tels que les chefs districts et les PDS ne peuvent faire de la propagande selon Philibert Ndiamanantsou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. À part les chefs districts et les PDS, des chefs ZAP et des chefs CISCO font de leur mieux pour faire élire les candidats HVM selon des sources. Le dépôt de candidature à la place du directeur général de la compagnie Air Madagascar a été clôturé hier. Le dépouillement devait commencer ce jour. Un cabinet de recrutement se charge du dépouillement des dossiers et transmet les dossiers auprès du conseil d'administration. L'OTAN apporte son soutien à la Turquie face à l'État islamique. Certains pays mettent en garde aujourd'hui Ankara contre un déraillement du processus de paix avec les Kurdes. Fampandrosoana mirindra ny faritra tsirairay. Fampandrosoana ifotony iadiana amin'ny fahasahiranana. Fangaraharana amin'ny fitantanana. Kandida vonona sy mavitrika no atolotry ny Malagasy miara-miainga ho antsika sy ho an'ny firenentsika. Noho izany, iombina isika hiara-iainga, hiara-hanome tanana azy ireo amin'ny fanatontosana izany drafitra matipaika izany. Ka androtsaka ny vato Malagasy miara-miainga amin'iraika amin'ny 30 Jolay ho avy izao. Malagasy miara-miainga, ny toko fitaka fa ny ataony ho hita. Candidat Mirana Rajona, diafal malasa ni vaoka na katkeli laf, anarchia ni faradubki zayetan, aomni fofikri an katkeli, ni ala rupisi mbropultulai, amrakia mbifulura tuanj. Ana fana nifton, tiliva! Serpoku malagasi, toni kaposi zayetan. Tungava marwar, yara yentana Mirana Rajona, la arana faafan, timis fitptiran. Bentanan, mapa, miaraka am president Yandra Zwelin. Fanftiavan, nous l'aibé indind. Famirinana ni asina maulna, eo amin'ireo tena sahirana sy ny tsy manan-kialofana. Famahana ny olana amin'ny famatsiana rano fisotro madio any koa eto andrenivohitra. Fijerena ny trano honena ny mpiasan'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Feny, erjika ho andrehetra. Fandravantsika ny tsy fitoviana, tsy fametrahana intsony ny ambony sy ny ambany tanàna, fitovizan'ny rehetra, tsy anavahana fiaviana na saranga. Mba horeharehantsika rehetra ny monina eto amin'ity tanàna n'Antananarivo malalantsika ity, mendrika ny marenivohitra azy. Tanàna mivoatra, tanànako, tanànanao, tanànantsika afaka. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les hauts fonctionnaires, tels que les chefs districts et les PDS, ne peuvent faire de la propagande selon Philibert Ndiamanantsou, secrétaire général au sein du ministère de l'Intérieur. Et à part les chefs de district et les PDS, les chefs ZAP et les chefs CISCO font de leur mieux pour faire élire les candidats HVM selon des sources. Or, la loi stipule que ces derniers doivent faire une demande de congé ou une demande de permission pour faire une campagne en faveur de ces candidats. Et selon un responsable de la CENIT, les infractions autour des élections peuvent être sanctionnées d'une amende de 2 à 20 millions d'ariars, voire un emprisonnement. D'après les comptes rendus de certains candidats, les infractions autour des élections communales sont en faveur des candidats de la liste HVM. Après le remplacement des chefs de district, la nomination de PDS, des candidats ont pu constater que même les hauts responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale dans certaines régions ne s'abstiennent pas d'influencer les électeurs en faveur du parti HVM.
Selon Philibert Ndjemanatsu, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, ces hauts fonctionnaires ne peuvent pas faire de la propagande. Conformément aux dispositions du code électoral, les fonctionnaires d'autorité, civils et militaires, ainsi que les autorités politiques, ne peuvent pas faire de campagne électorale. Ils doivent observer scrupuleusement la neutralité. Donc toute autorité administrative qui fait campagne pour une liste de candidats enfreint ses dispositions légales et par conséquent agit dans le domaine illégal. Après divers constats, plusieurs candidats craignent des fraudes électorales massives lors des communales. Les fraudes peuvent porter sur le précochage des bulletins uniques, des PV établis d'avance sont aussi possibles, comme l'usurpation d'identité des électeurs et la falsification de documents administratifs. Interrogés sur la question, les responsables au niveau de la CENIT ont essayé de rassurer les électeurs qu'il ne peut y avoir de fraude possible. Et toujours sur ce plan politique, le remaniement n'est pas encore envisageable à court terme, se rassure le Premier ministre. Pourtant, le changement des membres du gouvernement lui-même et l'essence du pacte de responsabilité initié par la HCC et cette institution est resté muet depuis le 13 juin dernier. Et pour l'opposant Lazare Azafiersan, la base de ce pacte de responsabilité piétine la loi. Reportage. La nouvelle majorité parlementaire composée par 95 députés a vu le jour à l'Assemblée nationale après la dernière motion de censure. Cette alliance est la seule balise du pouvoir exécutif selon les observateurs. Elle laisse pourtant froid le président de la République. Jusqu'à ce jour, Erad Darmanpian se cherche toujours sa propre majorité au sein de la Chambre basse selon ses propos intirabés la semaine dernière. Il est clair qu'il n'est pas encore prêt à remanier le gouvernement. La rencontre entre l'armada et le président de la République n'a donc pas été fructueuse. Le régime ne veut pas entendre parler de la NMP. Pour Jean Ravenarive, chef du gouvernement, aucun remaniement n'est encore envisagé pour l'instant, se rassure-t-il. Jusqu'ici, la question se pose sur le principal blocage qui empêche l'avènement de ce pacte. Pour Lazare Azafiersan, de l'opposition, il s'agit en premier lieu du président de la République, la base de ce pacte que la HCC n'avait pas clairement précisé. Un mois et demi s'est déjà passé depuis la décision de la HCC et il n'y a toujours rien. La HCC reste muette, comme la plupart des juristes institutionnels. Et actualité économique, le dépôt de candidature à la place du directeur général de la compagnie Air Madagascar a été clôturé hier. Le dépouillement devrait commencer ce jour. Un cabinet de recrutement se charge du dépouillement des dossiers et transmet les dossiers au conseil d'administration. Par ailleurs, l'audit de la compagnie serait en cours et les résultats devraient être prêts avant la nomination du nouveau directeur général, Lili Rabiat. Le dépouillement des dossiers soumis après l'appel à candidature de la nouvelle direction générale d'Air Madagascar commence ce jour. Jusqu'ici, le cabinet n'a communiqué aucune information sur le nombre des candidats, affirme un membre du conseil d'administration de la compagnie. Ils attendent les dossiers venant du cabinet pour sélectionner les candidats qu'ils vont proposer en conseil de ministres. C'est le cabinet de recrutement Équation qui s'en charge. Et à partir de ce dépouillement qu'on peut avoir 3 ou 5 candidats les meilleurs et ce seront ces candidats qui auront une interview soit avec le cabinet soit avec le cabinet avec les dirigeants de l'entreprise et c'est à partir de ça que le cabinet de recrutement proposera le nom du meilleur candidat, du second et du troisième. Et c'est au conseil d'administration qui va prendre la décision finale pour la proposition au conseil des ministres pour la nomination. Le processus de sélection des dossiers se fera au moins en 3 mois, explique un économiste. L'audit financier et l'audit technique de la compagnie se fait en parallèle avec le recrutement du nouveau directeur général. Les résultats devraient être accessibles avant la nomination du nouveau directeur général et la passation de service.
À titre de rappel, une expérience de 10 ans dans la gestion d'entreprises commerciales, 5 ans d'études supérieures dans ce domaine, une solide connaissance de l'aviation sont les qualités requises pour occuper la direction générale. Le nouveau directeur aura comme principale mission le redressement de la compagnie, comme ce qui a été convenu dans le protocole d'accord avec le syndicat du personnel de la compagnie. Et 13% des athlètes malgaches prévus participer aux Jeux des îles feront le déplacement à La Réunion. 5 jours avant le coup d'envoi de la compétition, l'État malgache a décidé d'envoyer les athlètes par vague. La première vague est partie hier, la deuxième vague le jeudi 30 juillet, et la troisième vague partira le 2 août. Le problème ne vient pas de l'État, affirme ce jour le Premier ministre Jean Abednarif. Les résultats de l'équipe malgache sont inquiétants, explique un professionnel. Reportage. Le déplacement des athlètes malgaches à La Réunion pour les Jeux des îles se fera en 3 vagues. La première vague est partie hier selon le Premier ministre Jean Ravenarive. Elle est composée de footballeurs. La deuxième vague partira le 30 juillet, si la troisième vague ne partira que le 2 août. Il n'y avait eu aucun problème d'organisation, explique ce jour le Premier ministre. Le problème était au niveau de l'ambassade. La préfecture de La Réunion avait donné des consignes claires en exigeant que les demandes de visa soient déposées auprès des ambassades ou des consulats, 45 jours avant le début des compétitions. Les responsables au sein du ministère des Sports n'ont pas voulu donner d'explication ce jour. Les résultats de l'équipe malgache sont inquiétants, explique Delphin Rasloufsan, nageur professionnel. En tout cas, il est clair que les Jeux des îles ne sont une priorité pour le gouvernement. Que s'est-il vraiment passé qu'avec les 225 athlètes prévus, seuls 13% feront le déplacement pour La Réunion? La grève des enseignants-chercheurs se poursuit jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en considération. En effet, l'État a affirmé une volonté d'avancer par rapport à ces revendications, mais il reste à savoir si le régime tiendra parole, a affirmé un des membres du syndicat. À titre de rappel, l'application de la loi sur les indemnités de risque, les indemnités de transport et de recherche figure parmi leurs revendications. L'actualité internationale, l'OTAN apporte son soutien à la Turquie. Face à l'État islamique, certains pays mettent en garde aujourd'hui Ankara contre un déraillement du processus de paix avec les Kurdes. France 24. Pour le moment, on n'a pas eu de réaction, que ce soit politique. La population également, pour le moment, elle reste assez calme. On va peut-être rappeler les détails de cette zone de sécurité. On parle d'une zone qui devrait mesurer 100 km de longueur entre Jarablus et Azaz, 40 km de profondeur. L'aviation turque, assistée par l'aviation de la communauté internationale, devrait mener des raids sur cette zone qui est pour le moment sous le contrôle du groupe État islamique jusqu'à sa libération. On parlait au sol de la présence du soutien de groupes qui appartiennent à l'opposition syrienne modérée, en croire la presse proche du gouvernement turc, Ankara envisagerait d'armer et de positionner à cet endroit, dans cette zone, des groupes turkmènes. Et évidemment, ici, ça renforce la thèse selon laquelle Ankara, en ayant demandé et en s'apprêtant à installer cette zone de sécurité, tente par là notamment de ralentir l'avancée des Kurdes de Syrie le long de la frontière avec la Turquie. On peut dire, c'est que la trêve, elle est bel et bien en train de voler en éclats. On a appris un petit peu plus tôt la mort d'un soldat, ça se passe dans l'extrême sud-est de la Turquie, près de l'Irak, ce à quoi l'armée turque a immédiatement réagi en affirmant que les raids dans les monts du Kandil, dans le nord de l'Irak, allaient se poursuivre. Ensuite, qui dit processus de paix dit forcément négociation politique, et effectivement le président Recep Tayyip Erdogan ce matin a fait des déclarations à la presse. Il a affirmé qu'il était impossible de maintenir un processus de paix avec ceux qui menace l'unité nationale et la fraternité de la Turquie. Ensuite, il y a le porte-parole du Parti de la Justice et du Développement, Beşir Atalay, qui a fait des déclarations également tout à l'heure en affirmant que ce processus de paix, il n'était pas arrêté, il était seulement suspendu jusqu'à ce que le PKK accepte une bonne fois pour toutes de déposer les armes et de quitter la Turquie. Donc je vous dirais qu'on est davantage en train d'assister en ce moment à un bras de fer entre Ankara et le PKK, sauf que c'est un bras de fer qui est très dangereux. Et Barack Obama a quitté l'Éthiopie, c'était sa tournée d'adieu au continent africain. Elle s'est achevée par un discours devant l'Union africaine, une première pour le président américain. Reportage de France 24. Quand un dirigeant tente de changer les règles au milieu de la partie, juste pour rester en poste, il met en péril la stabilité, comme nous l'avons vu au Burundi.
Et ce n'est souvent que la première étape vers un chemin en parallèle. Et parfois vous entendrez un dirigeant dire « Je suis le seul capable de garder mon pays uni ». Si cela est vrai, alors ce dirigeant a vraiment échoué à construire son pays. Un rappel des grands points développés dans ce journal. Le dépôt de candidature à la place du directeur général de la Compagnie Air Madagascar a été clôturé hier. Le dépouillement devrait commencer ce jour et par ailleurs l'audit de la compagnie serait en cours et les résultats devraient être prêts avant la nomination du nouveau directeur général. Et 13% des athlètes malgaches prévus participer aux Jeux des îles feront le déplacement à La Réunion. 5 jours avant le coup d'envoi de la compétition, l'État malgache a décidé d'envoyer les athlètes par vague. Et enfin, la grève des enseignants-chercheurs se poursuit jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en considération. Et en effet, l'État a affirmé une volonté d'avancer par rapport à ces revendications, mais il reste à savoir si l'État tiendra sa parole. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir sur Côte TV.